Salut à tous les Pucks. Écoutez, le jour de gloire va sans doute arriver. On est aux portes vraiment du diamant. Il nous manque 60 points pour avoir le diamant 5. Donc on va tout donner aujourd'hui pour le faire. Comme d'hab, je suis en compagnie de 4 abonnés. Les routes du champion, ça se passe que avec les abos. Et puis les mecs, c'est l'heure du générique! C'est toujours stressant, hein. Quand tu fais ta première game, les gars, autant vous dire que, on n'est pas trop en confiance. C'est comme quand vous faites votre première fois au lit, les gars. Forcément, vous êtes stressés. Et bah, pour la première enquête, c'est la même chose. Allez, enlevez Woodback en face, les gars. Oh, ils ont enlevé Canal. Atroce. C'est des Cotorep. Oh, putain. Ça me met la haine. Mais ça commence déjà. La vidéo, elle a pas commencé. Que j'ai déjà envie de la terminer. Et ils ont banni Canal, c'est un truc de zinzin. En vrai, en défense en ce moment, je sais pas qui jouer, les gars. Alors que c'est pas ce qui manque, hein, les opérateurs, il y en a beaucoup. On va rester sur les bases de Petite Frost. Là, ça, tu vois, ça pour moi, c'est une squad de tryharders. En vrai, les gars, Jaeger, Vigil, Bandit, Doc et Frost. J'aime bien. En vrai, je vous jure, j'adore cette compo. J'ai un abonné, il s'appelle Doré de Platine. Oh, il y a Jude, les gars, il est venu faire des games abonnés. Si je peux vous conseiller un truc, les gars, c'est ici, là, vous faites un petit trou comme ça, et ça vous donne une vue un peu sur la porte ici. C'est tout con, mais ça marche. Bandit fait les murs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est rare que les abonnés fassent les murs avec moi, les gars. Il fait même les batteries. Bandit, je suis en train de me branler. Mais j'ai envie de vous dire longue vie à Bandit, longue vie à cet homme. Merci. Mais quand tu fais une première game sur Woodback, vraiment, je peux te dire que la confiance elle est très basse. Mais je suis pas en train de te parler de ma température, parce que les gars, j'ai chaud. C'est un truc de zinzin comment j'ai chaud. Ah, canicule de merde. Ah ouais ouais. Oh, il m'a séché, gros. Tête, toi. Ça donne tout de suite le ton de la vidéo. Et quand je te parle du ton, je suis pas en train de te parler du poisson. T'es enculé, tu jouiras. Ah, j'ai pris ma revenge sur le sledge. C'est ça qui me plaît, les gars. On fait preuve de caractère. Bien joué, les gars. 5v3, bien. Oh, le travers de zinzin que j'ai failli prendre. Oh, il y a un doc, c'est parfait. Poteau. Oui, je bande, oui. T'es un bon gars. Ah, bah, je bande bien, là. Ils ont pas l'air dégueulasses en face, hein. Franchement, pour une première game, Oh, faut que je me chauffe, les gars. J'ai juste fait une MME avant. Bien joué, les gars. Peut-être que je devrais pas faire ça. Ouais, je devrais pas. Ne piquons pas, on est pas trop en confiance. Les abonnés ont fait une très très belle défense. Ok, elle est bien là-bas. Elle va timer une grenade. Ok. Ok, encore une. On va pas trop piquer non plus, les mecs, hein. Au pire, on peut la laisser rentrer, on s'en bat les couilles. Elle a cassé le barblé. Oh, bien joué, gros, mais ce qu'est... What the fuck, ce qu'elle m'a mis? Elle m'a tiré, les gars, à travers la bombe. J'ai pris une balle perdue dans la bombe, what the fuck. Et surtout, les gars, aussi, un truc très très important, c'est que je joue avec tout le monde, que vous soyez cuivre ou alors champion. Je veux pas, entre guillemets, qu'il y ait de discrimination. C'est pas parce que je demande votre grade quand je fais des stories sur Instagram que ça fait que je vais pas jouer avec les cuivres. Mais non, les gars, rien à voir. C'est simplement que, voilà, j'essaie de que les squads soient bien équilibrés. Moi, les conditions que je fais pour vous inviter, c'est très très simple. C'est votre pseudo, votre grade et votre âge. Ensuite, je vous demande ça en story insta, c'est tout, les gars. Bon, là, par contre, ça commence à puer, les gars. Ils sont chiants en face, hein. Oh, la trappe, elle est ouverte. Oh, oula, oui, ça va trop, pas la trappe. Ça a sauté. Mort. Ok, c'est pas grave, je suis en 1v2, l'abonné, il a fait le kill. Mais c'est quoi ce mec, les gars? Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Il a drop une trappe avec son marteau, mais wesh. Mais c'est quoi ces mecs? C'est la dance ledge ou ça se passe comment là? C'est un kamikaze le mec. Bah, ils font des moves spéciaux, hein. Je vais pas vous mytho les mecs, c'est que c'est très bizarre de faire ça. Mais enfin bon, on va dire qu'il faut qu'on s'habitue, y a pas de frost, ok. Faut les agresser les gars, faut pas les laisser respirer. Là je sais qu'il y a un bouclier, faut que je le casse avec mon hache, c'est parti, on y va. Action, réaction les gars. Ok, le prefire qui marche pas. Il y a toujours une caméra ici, je fais jamais attention là. Ok. Oh, j'ai fait à travers. J'ai pas eu celui que je voulais, les gars. En fait, j'ai mis à travers dans le crâne du mec ici. Attends, Ibana, je vais te droner pour toi, mon pote. Oui, bien joué, 3v2, les gars. GG, ça. Bandit sur mon drone, les gars, sur mon drone. Yana, ça va être pour toi, je pense. Ah, putain. Ok, 3v1, bien, ça, les gars. Where my toilette. Là, tu vois, tu prends l'info. Action, réaction, tu plantes. Tu sais que les collègues, ils vont forcément avoir le kill. Allez, les gars, allez-y. Tuez-le. Mangez-le, sa mère. Oui, les gars, oui. La vie est belle. Putain, en face, les gars, il y a un abonné. Enfin, je sais pas s'il est abonné. Mais il y a Uako. Il a reconnu mon pseudo, le fumier. Non, mais sans déconner, ce pseudo Spider-Man, vous le reconnaissez à des kilomètres ou ça se passe comment? Vous allez voir, je vais le changer. Je vais m'appeler Concombre Magique. Je vais avoir un pseudo de Kiku. Ça va vous faire tout drôle. Hein, ça s'enroule, hein. Oh oui, j'ai pris la revenge, c'est pas grave. Ah bah, c'est Uako. T'as trop la rage. Désolé, mon pote. Oh, il est rentré, Finka, parfait. J'aime, les gars, quand vous êtes agressifs comme ça. Mais cassez les caméras. Uako, les gars, c'est le plus fort. Donc en vrai, si on l'a tué, c'est un très bon point. Faut pas faire les cons maintenant. Est-ce que ses collègues vont faire le taf? Je sais pas du tout. Allez, vas-y, on va droner, les gars, c'est parti. En vrai, faut tryharder chaque game comme si notre vie en dépendait, hein. Malheureusement, il y a que comme ça qu'on sera champion. Il y avait un mec au contact. Ils ont renforcé cette fois la rota. Ok, c'est pas mal. On prend des infos, les mecs. On sait qu'il y a un Jaeger ici. Ok, parfait. En soi, c'est bien. Ils sont un peu acculés sur site. Ying, si elle arrive à avoir le Jaeger, c'est parfait. Ouais, je sais, je suis une hache qui drone, les gars. Mais vous savez, vous avez le droit de droner en tant que H, hein.
Oh, c'est pas une tête. Je suis pas content. Ah, tu vois, on va perdre la manche à cause de ça, je pense. Ah, je l'avais mis à terre, ok. Vas-y, attends, attends. Ah, c'est quoi ça? Ah, ta mère! Faut que j'arrive à tuer un autre. Oh, je crois que j'en ai vu un. C'est 4C4 qui va arriver dans pas longtemps. J'ai encore un drone ou pas? Ouais, par contre, il est un peu loin. Bien joué, gros. Je l'avais vu là-bas, je crois. Oula. Je sais pas du tout, les gars, ce que je fais là. Au bac, non? Ou alors contact à droite? Ah, j'entends des bruits un peu de partout, c'est vraiment très étrange. Ah, j'ai pas eu le temps d'avoir la cover, gros. Oh, ah, elle est partie, elle vend ce jeu sur un poil de cul. Après, tant mieux, c'est comme ça que tu progresses. Mais en vrai, putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est dur, les gars, je vous jure. Et je suis pas en train de vous parler de ma poutrelle. La poutrelle? Mais en face, ouais, j'ai l'impression que maintenant, les ranked, tu tombes sur des Thanos, les gars, mais vraiment. Après, c'est peut-être parce que j'ai 2 de ratio, forcément, je tombe contre des mecs similaires. Ah, c'est une possibilité. Mais en vrai, je vais tout faire pour avoir 0,5 de ratio, hein. Si ça me permet de tomber contre des gens moins forts, let's go, allons-y. En plus, ils ont la défense, c'est ça qui me fait chier, là. Il y a Azami sur site, ok, ok. C'est les bloqueurs de drones qui cassent un peu les couilles aussi, hein. En vrai, c'est fort ce truc, hein. Purée, franchement. Il y a juste Yeager qui se cache derrière. Oh, faudrait qu'on arrive à renforcer. À péter un mur, les gars. Il peut se prendre à travers, Yeager, vous pensez? Je sais pas du tout si c'est des Yeager. Oh, vas-y, au bac. Oh, il est revenu au bac, le fumier. En vrai, bien joué à lui, hein, les gars. Putain. Oh, belle tête, bien joué. Est-ce qu'on a des drones pour avoir un peu d'infos? Ah, ça va être chaud. Il y a un mec, il est juste derrière le bloqueur de drones. Juste derrière. Allez, Fika, c'est le clutch de toute une vie pour toi. Ah, c'est dommage, dommage en vraiment gros. Ah, ils étaient plus forts, je trouve, en face quand même. Ils ont géré. Bah, GG à Uako, les gars. Il a fait une très belle game. On va voir combien on perd de points. Ah, ça me fait très peur. En vrai, j'ai pas envie de me confronter à la réalité, mais faut s'y confronter. Allons-y. Oh là là, 12 points, putain. Avant, c'était 10, maintenant c'est 12. Ça pique. Et ils vont nous faire attaquer, ouais, forcément. Putain, c'est une journée diabolique, les mecs qui se profilent à l'horizon. En vrai, il y a que des cartes qui me plaisent, mis à part Bank qui va se faire ban. En face, comme c'est des gags, ils vont enlever gratte-ciel dans ma logique, en tout cas des choses. Voilà, ma logique, elle est bonne et on va se taper Stade Bravo. Ah, bah non, Oregon. Voilà. Vous avez vu le karma inversé, comment il est bon? En vrai, c'est déjà une meilleure carte, donc je ne peux pas me plaindre. En soi, les gars, la carte, je la connais, un minimum, bien sûr. En face, moi, j'aime bien regarder un petit peu les pseudos. Il y a un mec qui s'appelle Pushis, un mec qui s'appelle Tang. Tang. Et bah, vous savez quoi, les gars, pour ces 5 adversaires-là, il est temps de se faire enculer. Voilà, c'est dit. Ah ouais, et aussi, l'autre fois, quand je vous ai dit que je re-regardais Prison Break, il y a plein de gens, vous étiez chaud en commentaire de me dire « Ouais, mais c'est où que tu regardes ?» Bah, les gars, c'est tout con. Vous allez me dire « Mais comment ça se fait ?» Mais je vous jure, même moi-même, je sais pas. Mais c'est sur Disney+. Je sais pas comment ça a fait pour se retrouver sur Disney+, mais véridique, c'est là-bas, au milieu des Avengers, de Spider-Man. Et bah, vous avez Prison Break, les gars. Oui, je ne sais pas comment c'est possible. Bon, allez, trêve de blabla. Michael Scofield, mon pote, je t'aime bien, mais être diamant, et bah, j'aimerais encore mieux. Oh, ça va garder la salle de réunion, je pense. Oh, les gars, c'est quoi cette -2? Putain, mais non! Non, ça c'est caca dans la colle, hein. Putain, je vous jure, tu commences la manche, t'es en 3v5, t'as même pas envie de la jouer, la manche. Ah, que dis-je, 2v5. Mais what? Avec le diffuse tour. Oh non. Vous avez vu, les gars, j'ai failli mourir. Parce que j'ai visé son gus de merde. Ah, ça me fout la haine, ces putains de pièges. Aïe, 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 misère. Je suis tout seul. Bon, eh ben, écoutez, moi j'ai plus de drone. Faut que je me taille d'ici. Oh, wow, le fou malade. Ah, vas-y, mais je peux rien faire tout seul. Tu m'as pas pourquoi je suis là d'ailleurs. Ouais, c'est pas possible, hein, de jouer comme ça. Moi, je suis pas Thanos, les gars. Je peux pas claquer des doigts et niquer la grande tente des adversaires. C'est trop dur, c'est pas possible. Attaquer ensemble, jouer les murs T1. Voilà, tu vois, il y a un mec grenier, là, on va s'en charger. Enfin, on va essayer, du moins. Ah, on sait qu'il est là-bas. Faut jouer de manière très safe, les gars. R6, quand vous jouez bien, c'est simple. Faut juste pas se compliquer la vie. Ah, ils font même les trappes et tout. Ah, 3v5, encore, les gars, encore. Putain. 2 fois d'affilée, encore. Moi, je veux bien vous donner des conseils. Oh, c'est au top. Mais il faut les mettre en application, ces conseils. Ah, tu vois, depuis tout à l'heure, juste, je suis en train de jouer avec ses couilles. Parce que je l'ai entendu. Mais là, on est 2v3. Moi, j'ai plus d'HP. Je pense que la manche, elle est encore loose. Il y a un mec, il est sous la trappe, je l'entends, mais on a rien pour la casser. Alors qu'on avait Ace. Ah, c'est trop dur de jouer, les mecs. Franchement, pourtant, j'essaye, hein. Vraiment, vous avez vu que je mets de la bonne volonté. Mais quand ça veut pas, il reste 20 secondes. Je vais rusher quelque part, je vais me faire opérer par une caméra. Ou alors spotter par un gu. Regarde, en face, ils jouent bien. Ils font des petites rotas et tout. On n'a pas le diffuseur, c'est perdu, la manche, les gars. Hein, vraiment. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, gros? Je peux rien faire, mon pote. Faut juste que les T1 soient ouverts. Les T1 sont ouverts, tu mets une sacrée pression, ce qui est en soi logique, les gars. En fait, on joue trop mal, j'ai l'impression qu'on se facilite pas, entre guillemets, la tâche. Ok, il y a Valky, le site, il est pourri, les mecs, là, mais vraiment. Ils ont un site démoniaque. Là, tout à l'heure, il y a deux abonnés qui sont morts à la tour. Avant de rentrer quelque part, les gars, droner, tranquille. Logique. Là, tu sais qu'il y a personne, tu peux y aller, go. On a 3 minutes. Gardez en tête que vous avez le temps de droner. Là, regarde, il y a peut-être un mec là-dedans. Donc en soi, ça coûte rien de tenter un travers, ça, sur un malentendu. Après, ce que tu fais, hop, tu redrones, tu vas dans ton trou, tu sais qu'il y en a un, bah, justement, là où il était. Ok, bon, lui, il faut lui mettre une pression. Voilà, là, c'est 5v4. Là, c'est bien, c'est l'open kill qui est fait. On l'a vu, Goyo. Voilà, 5v3, parfait. Là, j'aime bien. Quand je vois ça, les gars, ça me convient amplement. Il y en a qui dronent de ce côté, donc moi, je vais aller là-bas. Il y a toujours le Goyo, petite pièce, hein.
Des amorceurs posés, c'est très très bien les gars, très bien joué. Là tu vois, tu gardes la ligne, tu mets une clé mort au cas où s'il veut trocher. Et t'as juste à jouer au son. À mon humble avis, il est là-bas les gars. Maintenant il a plus le temps. Il est rentré. Et voilà, bien joué les gars, très belle attaque. Bon, moi faut que j'empêche une plante les gars avec mon petit Pulse. Vous savez ce que c'est le point commun avec Pulse et moi? Vous trouvez qu'on a le même crâne, c'est ça? Ah, bande de fumier, bah ok, il y en a un là-haut. En soi, je m'en bats un peu les couilles les gars. Oh non. Ah, faut juste que je me fasse un peu oublier, tu vois. C'est rentré ici, la trophée les gars. Putain, il fait chaud. Mais les gens qui préfèrent l'été à l'hiver, sincèrement, vous êtes scatophiles. Ou alors riches, et vous vivez à la plage, ce qui est une possibilité, c'est vrai. Ok, il y en a un qui est en train de rentrer. Lui, il va se prendre le C4 des enfers. Non, il passe là. Oh putain, pourquoi il rentre pas direct? Il a fait en ligne de mire. Pourquoi il fait pas un move de bot? Pourquoi c'est pas un bot? Bien joué, 3v3, bien les gars, vous assurez. Ah, 2v3, non. Je sais pas si c'est le planteur, lui, en vrai de vrai, les gars, on va voir ça. En soi, c'est plutôt une bonne chose, 40 secondes. Ça pose. Mais ça pose où? Putain, mais j'entends le bruit de la plante. Ah. Moi, je crois qu'il est là-bas. Vas-y, Frost, il est devant toi. Vas-y, Frost. L'autre, il est sûrement... Oh non, il a pris une clé mort. Oui, on a gagné, c'est bon. Oh, du sursis, allez. Oh, c'est vraiment très 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 dur, les gars. Mais où on va, les gars? Je sais pas jouer, hein, les gars, bandits. Je vous le dis, je le prends pour l'équipe. Mais avec lui, je vais pas faire des miracles. C'est quoi ce triple capcan? Wesh, les gars. Ça sert à rien d'en mettre 3. Hein. 2, ça suffit pour tuer, les gars. Ah, vous avez voulu reproduire ma bite ou quoi? Bien joué, l'open kill, bien, mon gars. Aïe, dommage. Je sais qu'il est là-dedans, lui. Hein. Ah, la moins 2 en 2 secondes. C'est un coup critique, ça. Non, les gars. C'est pilier. Allez, meurs. Oui. Putain les gars, je sais pas comment on gagne ça. Chaque manche qui passe, les gars, je vous jure, c'est une finale de Ligue des Champions, mais carrément. Je pensais qu'il avait pris le rappel, je suis deg. En vrai, faut faire des moves audacieux, les gars, faut vraiment les finir. Le problème, c'est que, encore une fois, un open kill. Putain, mais fais chier. Mais le problème, c'est que moi, je joue des agents que je ne sais pas jouer. Bandit et Pulse, je sais pas les jouer, mais si je les prends pas, la manche, elle est quasiment perdue d'avance. Regarde, 3v5, mais c'est... Pourquoi? Bordel de merde, ça va chier. Faut pas qu'il meure, Wamai. Si Wamai meurt, les gars, on a perdu. Faut que j'arrive à faire un back, mais le problème, c'est qu'il y en a forcément un qui va m'attendre. Wamai va mourir. Ok, donc je peux faire très mal au back en vrai. Je peux faire très très mal. À la porte du BP, faut que j'aille en dessous. Mais je peux pas être partout à la fois en fait. Ah ouais, je peux pas être partout à la fois. J'essaye, les gars, j'essaye, mais vraiment, c'est. Moi, je veux bien avec toute la bonne volonté du monde. Y'a un mec rappel, je crois, je suis pas sûr. Oh non. Non, je savais pas qu'il y avait un bouclier, j'en avais un. Putain, regarde pourquoi je meurs. Mais ils sont trop nuls, on peut pas perdre contre eux, ils sont nuls. Cette grosse merde. En fait, ils sont nuls, mais ils jouent bien, les gars, ils font des moves bizarres, ils mettent des bloqueurs de drone, tu vois, ils jouent comme des bots. Mais le problème, c'est que ça marche, on va encore perdre ce game, les gars. Franchement, ça commence à être très critique, hein. Honnêtement, les amis, c'est critique. Moi, je sais pas en combien de kills je suis, par curiosité, je regarde, je suis en 11-3, je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Regarde, l'autre, il a remis des gugus, là. Cavera, faut y aller. Prise d'information, réaction. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas sur R6, les gars? Action, réaction. Voilà, 5v3, bien, les gars, bien, jouez simple. Putain, jouez simple. Oui, voilà. Ah, y'a toujours les poutres. Ça, je suis trop nul avec ça. Ces putains de poutres, toujours je me fais avoir par ça. Capitaine au diffuseur, je le sens. Je le sens bien. Ah non. Non, les gars, non, commencez pas. Je peux pas te réanimer, gros. Mais j'en ai trop marre. Bien joué les gars, bien. Mais chaque game c'est la Ligue des Champions. C'est horrible, je suis en train de perdre 10 kilos les mecs là. 10 kilos. Eh, manche décisive les gars, il y a 4-4, si on la perd je suis abattu. En vrai faudrait que je joue un peu plus Lésion pour avoir des infos sonores, tu vois. Quand tu joues solo c'est trop important d'avoir un mec qui te permet d'avoir des infos. 5v3. Oh putain, attendez les gars. Faut que j'arrête de me branler vraiment. Est-ce qu'on va gagner une game? En face le pushiste là, le premier il est mort. Il reste Pro de Sky et CW machin. Non les gars, piquez pas, on est 5v3. Piquez pas, s'il vous plaît. Hein? Et d'élimination, j'ai touché un mec, what the fuck. Trophée. Non, c'est rentré aussi dans le grenier. Putain, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, je vous en conjure. Le seul truc qui me fait peur, c'est que ça rush la rota au fond. En vrai, je suis pas trop mal. Si un mec qui passe escalier, il me voit pas ici, les gars. Et t'en as forcément un qui va se dire que c'est une bonne idée de faire le back, c'est obligé. Non, les gars. Oui, allez, 3v1, let's go, allez. Putain, bien joué. Oh, je vous jure. Oh putain de merde, on a gagné une game. Je me demande, est-ce que je vais me branler, est-ce que je vais pas me branler? Mais à quel prix les gars? À quel prix on a gagné? Oh, l'animation de Lésion, je crois que c'est l'une des pires animations élites du jeu, mais vraiment. Je crois qu'on a fait un bon score, ouais, on a fait du 13-4 les gars, c'est très propre. Putain, je suis en train de saigner du pif tellement il fait chaud sa mère. Ah, chaîne les gars, de ouf. Allez, donne-moi le nombre de points, vite. Ah, 32, c'est minable. Atroce. Ah, il nous faut rattaquer les chiens. Oh, les chiens de la casse. T'as véridique les gars, je fais que saigner du nez en ce moment. Ah, Outback. Ah. Allez, gratte-ciel au consulat. Mais pourquoi vous me donnez celle que je veux pas?
Ah, et maintenant, c'est là où il faut enchaîner, les gars. Je vous jure, faut enchaîner de baisers. En face, fais voir les pseudos. Putain, il y a Dark Evil, il y a Shoa. Oula, je crois que j'ai dit un truc qu'il fallait pas, là. Killer. Il y a Dark, encore un Dark, vous avez un problème. Il y a Toxic Banane, Bananito, pardon. Les pseudos, putain, mais des enfers, les mecs, c'est quoi ces pseudos? Mais je vous le répète très souvent, en plus ils font pas les murs en face, on va gagner normalement, enfin j'espère. Votre principal problème, c'est que malheureusement vous avez envie de trop bien faire, je pense. Dans votre tête, admettons, si, moi tu vois là je suis dernier, mais si vous faites du 0-5, dans votre tête, votre game elle est merdique. Mais pas du tout les gars, enlevez-vous ça de la tête. Oh putain, il va se prendre à travers. Ça aurait été si beau les gars. Tu vois, c'est ça le problème, Ibana, elle meurt sans avoir open le T1, c'est... Là tu vois, c'est une manche de merde. Ah, attends, là y'a un gars, je te mets un ping rouge. Oh, y'a un mec ici aussi, what the fuck. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il est mort ou pas lui là? Ouais, je crois qu'il est mort, mais y'a un C4 qui va arriver. Attention le C4. Bien joué, tu vois, là il a géré le poteau. Il a fait une manche parfaite. Moi, vous avez vu les gars, là je suis en train, entre guillemets, de jouer H. Mais je prends mon temps. Bon, maintenant je sais que là le mec il est à la fenêtre. Enfin, il m'a vu, tu vois, du coup maintenant je vais me barrer. Mais c'est important de prendre toutes les infos. Vous les prenez pendant une minute, tranquille, vous avez le temps. Ah là, tu vois, j'avais pas l'info qu'il y avait Jaeger ici. C'est improbable en soi qu'il y ait un mec là. Mais prenez les infos comme il faut et puis après, vous, en adéquation, vous jouez quoi. Et les gars, vous devriez tous placer des drones cheatés, tu vois, là, les trois. T'en as aucun qui se doute qu'il y a mon drone. Sauf bien sûr s'il y a une solice, les gars. Mais placez toujours des putains de drones, c'est trop important. C'est les bases de R6, mais c'est les bases que beaucoup de gens ne font pas. Et c'est pour ça que vous ne progressez pas. Et que vous ne progresserez jamais d'ailleurs. R6, c'est un jeu, hein, c'est pas Call of Duty, c'est un jeu stratégique, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est un peu comme, comment dire, pour vous donner une petite image. Vous connaissez les échecs, les gars. Et bah, R6, c'est exactement ça. C'est une grande partie d'échecs. Voilà, 5v4, très bien, les gars. Il est où le ace, là? Y'a pas un ace, les gars? Regarde, le ace avec le diffuse. Va direct au T1, perds pas de temps. 2 minutes, il est pas encore au T1, le poteau. Tu vois, ça, c'est une erreur. Encore une fois, tu prends ace. Normalement, ton rôle, c'est directement d'aller ouvrir le T1. Là, tu sais qu'il y en a un là, c'est le castle. Donc là, ce que tu peux faire, c'est en gros lui faire peur, tu vois. Tu lui mets un ping rouge, tu vois sa réaction. Normalement, il va reculer avec le ping rouge. Ok. Là, maintenant, ce que tu fais, il casse son drone. Dommage. Mais c'est pas grave, j'ai encore un drone, les gars. J'ai mon drone qui est caché en hauteur, donc je sais qu'il est dans le contact. Là, il repart au pilier, il cherche mon drone parce qu'il l'entend, tu vois. Et là, normalement, où les abonnés doivent faire leur taf à eux, c'est de pusher le T1 pour que moi, ça me laisse la liberté, et bah de pusher dans le bac, tu vois. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, les gars. Le castle, il va être gourmand, à un moment donné, il fera une erreur, c'est sûr. Je l'ai touché, les gars, je l'ai touché. Sauf qu'il reste 40 secondes, ça va être compliqué. Encore touché. Mort cette fois, ok, bien, bien. Mort aussi, allez. Les gars, faut le pusher, c'était un, je sais pas ce que vous faites. Bien, les gars, bien. Je sais pas comment on a gagné, ni d'où étaient les mecs, mais bien, les mecs. On a mis une attaque, c'est propre. Mais vous avez compris ou pas ce que je vais vous dire? R6, c'est un jeu d'échecs, il faut être plus malin que l'adversaire, c'est tout. Oui, monsieur, parfaitement. Bah là, tu vois, le problème, c'est que mon drone, je pourrais sûrement pas le placer, à quoi que je vais essayer. Non, ça va être trop compliqué de long vue. Donc, je vais le mettre dans un coin là, ça ira bien. Mais c'est qu'ils ont pris une solice, tu vois. Je suis dans la merde. Donc, malheureusement, moi, je pourrais pas faire la même attaque, les gars. Oui, c'est ouvert, attends, comment ça c'est ouvert? J'ai eu peur sa mère. Il y a un moisi, je peux pas rentrer. Ouais, Ibana, diffuse. Attention ma couille, hein. T'as une grande responsabilité. C'est pas moi qui le dis ça. C'est Oncle Ben, les gars. Bon, alors attends, du coup, changement de plan. Mon drone qui était sur ce site là, il y aura pas le moisi qui va me casser les couilles. Allez, sors là, gros porc. Mon drone c'est Gridaku. Ok, lui c'est moisi. Ils ont pas info. Tu vois, grosse erreur ça. What the fuck? Y'a un mec là aussi. Ah, j'ai failli lui mettre, les gars. Il fallait forcément tenter le move, hein. Là, je peux tenter un truc, les gars. Oh, dis-moi que je peux faire un travers, ça serait incroyable. Ils ont pas renforcé le mur, mais c'est quoi, ça? Le petit mozi, hop là. Bon, du coup, prise d'info. Mon drone, il est où, là? Attention. Oh, Oza! T'as un bouclier, Oza, hein. Attention, oublie pas. Oh, ok. Les deux sont là, il a repris de la vie, Jaeger. Oza, il a dû le toucher un peu. Ah, on s'est pris moins 2 au C4, gros. Non. J'en peux plus. Ah, le clutch, ok. Honnêtement, j'en ai marre. Hein? Oh, je suis mort dans le film, les gars. Tu vas forcément en avoir un qui va piquer, les gars, c'est sûr. Tu vois, c'est obligé. Alors, il me reste 40 secondes, j'ai pas le diffuseur, les gars. Autant vous le dire, ça pue. Ça sent vraiment la merde. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Comment il sait que j'arrive là? Comment il peut savoir que j'arrive là? C'est quoi ce timing qu'il a, lui? Ils essaient tous de me baiser. Putain, mais les gars, sans déconner. Pourquoi vous renforcez le mur? Putain, les gars, vous faites pas d'efforts! En fait, des fois, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que vous rejoignez pour troller? En vrai, je sais pas, j'arrive à me poser la question. Parce que renforcer un des deux murs, c'est pas normal. Merde. Mais en vrai, vous pouvez pas comprendre mon énervement. Parce que vous êtes pas en game, les gars, vous comprenez pas. Et vous savez pas que chaque game, entre guillemets, c'est important pour le champion. Ça, tu vois, ce type d'erreur, ça, voilà, c'est fatal pour le champion, ça. Allez, le petit Fenrir dehors quand il rentre comme ça, hop, je l'active. Allez, le petit open kill, magnifique. Toujours piqué quand vous sentez que c'est le bon moment, les gars. Mais là, y a pas la rota, c'est... Sans la rota, ça sert à rien, c'est mort. Y a pas un docteur, là? Putain, mais qu'est-ce qu'il fait en bas, docteur gros? Non, mais doc, tu fais quoi, doc? Mais tu fais quoi? Là, viens, rentre!
Merci gros, tain, mais oh, je vous jure que je vais des fois bizarrement les gars. Bien joué, mais franchement, waouh. Oh, vous jouez avec le feu de fou. On n'a pas le droit de perdre en face, hein. C'est des tubs les gars, des tubs. Des putains de chibres humains avec des pieds et des jambes. Là vous calez un petit Fenrir là, oh il est parfait, il est majestueux. Vous attendez que le T1 ça le perce et après vous lancez votre... Enfin vous activez votre Fenrir plutôt. Oh là là, ça a ouvert, ok, la porte double. Mettez en fait des Fenrir où c'est susceptible d'arriver, les mecs. Ok, le T1 se fait ouvrir, du coup maintenant, on met notre Fenrir, c'est parfait. On active aussi au couloir bleu et on est bien. Je serais tenté de piquer à la fenêtre chambre, les mecs, mais je sais pas. Je pense que si je meurs, malheureusement, les abonnés derrière, ils vont être de la merde. Couloir bleu, ça a pris le Fenrir, vous avez vu? Donc moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'y aille, mais on est 4v5, l'open kill a été fait. Garage à motoneige, je suis en train de rentrer, bien, bien, les gars. Encore, allez-y. Moi, faut que je tue le... mec couloir bleu, mais non. Je sais pas comment il a fait pour se retrouver là sans que je l'entende, c'est vraiment improbable. Fils de... Attends, what the fuck, j'ai mis un Fenrir invisible. Attends, quand tu l'actives. Oh, what the fuck, les gars, il est cheaté. J'ai même pas fait exprès. Là, pareil, faut qu'ils remettent leur briche sur le T1. C'est ce qui va être fait normalement. Ok, voilà. Moi, j'en remets vite un là. Attends, je l'ai mal collé en vrai. T'as fait chier. C'est quoi ce C4? C'est quoi ça? J'ai mis une balle à Kermit, les gars. Ça fâche le site, pardon. Ah, sors. Désolé les mecs, hein, franchement vous allez dire que j'abuse. Mais il y a toujours un mec qui me colle et ça me met des balles. Regarde, maintenant je suis à 29 HP, on va perdre la game, c'est bon. Doc il pourra pas me mettre de vie parce que le T1 il est ouvert, vas-y laisse tomber. Piquez pas les gars, hein, piquez pas, il y a une Kali devant le T1, ça sert à rien. Il y a des Fenrir qui vont vous avertir quand ils rentrent dans le mur blindé. T'as, si tout le monde jouait safe les gars, on aurait que des free win. Je serais déjà champion en vrai. Mon amour. Oh mon amour, tu as loupé la picose. Merci mon amour. C'est rentré garage, maintenant tu peux piquer. Faut jeter un C4 les gars. J'ai mis une balle. Ils sont tous un peu mis d'HP. Il a fait un trou de maverick, le fumier, je savais pas. Ils sont tous mis d'HP, les mecs, tous. On remarque un peu nous aussi. Ah, il a pas vu le trou, je pense. Il est rentré, le maverick. Là, maintenant, je prends la ligne, il va forcément revenir. Faut que les abonnés fassent le kill, les gars. Moi, je peux pas me dédoubler, hein. Faut qu'il reste au mur du T1 et qu'il fasse les kills. Bien joué, 3v3, bien, les gars, allez. Ok, ah, c'est chaud, hein. Eh, voilà, gros, mais tu restes collé. On a encore perdu, hein. Franchement, j'en peux plus, les gars. Franchement, je peux plus. Je sais pas, je peux pas mieux faire. Encore une fois, je fais du 15 kills, c'est bon, moi j'en ai marre. Allez, 12 points, je fais que stagner, ça me pète les couilles. Ah, franchement, c'est dur les autres saisons. En vrai, j'arrivais à jouer avec les abonnés, hein. Je sais pas, ça marchait plutôt bien. Mais j'ai l'impression que cette saison, c'est vraiment. C'est catastrophique. Ils vont bannir gratte-ciel en face, aller donner nous frontière. À la rigueur, on l'a pas encore eu. Moi, canal. En vrai, c'était 3 cartes que j'aimais bien, donc ça me va. Déjà, pourquoi bannir Jackal? Je comprends pas. Je sais pas, on est en défense, les gars. Pourquoi on banne Jackal? En face, ça se voit, c'était Plo, il banne Fuse. Fallait qu'on enlève Thatcher, enfin, je sais pas. Moi, de mon théorème, s'ils enlèvent Kavera ou alors un Capcan, c'est que c'est des Plo, les gars. Bon, est-ce que ma théorie est vraie? On va voir ça. Et vous allez dire, mais banne nous, mais pourquoi tu bannes Mira? T'es en défense. Bah, parce que parmi nous, les mecs, y a personne qui joue Mira. Du coup, autant la bannir pour anticiper les adversaires quand eux seront en défense. Comme ça, on tombera pas sur Mira. Eh oui, c'est ce qu'on appelle de la logique. Alors maintenant, la question, est-ce que les incompétents. Non, mais ça, c'est pareil, les gars. Mais c'est quoi ça? Le mult, mets-le là, gros. Est-ce que les incompétents de chez Ubisoft ont patché cette trappe qu'on peut pas renfo? Non, toujours pas. Bon, bah écoutez, les adversaires vont pusher ici, ça va être incroyable. Ça, c'est vraiment faut le dire, hein, des merdes Ubisoft. Des putains de merdes, ça fait 2 mois qu'il y a le bug de la trappe. Et ça fait 2 mois que ces trous de balles ne patchent pas. Par contre, pour sortir des skins roses, ils sont bons, hein. Regarde, tu peux pas aller renforcer la trappe. Eh, moi, les gars, vous le voyez bien, je mets toute la bonne volonté pour faire la route du champion. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que, je sais pas, ça joue bizarrement. Là, regarde, y'a un mec, il est en train de rusher au niveau de la trappe. Je l'entends. Je me mets en mode visée Free Fire, il sait pas que je suis là. Et je l'attends. Pourquoi est-ce que je vais aller le piquer? C'est à lui de me piquer, c'est pas à moi. Ça push. Y'a Ying qui push. Maintenant, c'est embêtant. Encore une fois, l'open kill. J'ai failli me prendre un turn, mais comme je n'aime pas l'arme de pulse, je sais pas, les gars, je la trouve horrible. Allez, C4, vas-y. Oui, merci, C4. Smoke, tu fais quoi, poteau? Smoke, tu sais pas ce qu'il fait, les gars, Smoke. Normalement, le poteau Smoke, il doit empêcher une plante avec sa fumée, mais non. Ça pose, hein, ça pose, gros. Ça a mis des nomades, je vais tomber quand je vais rusher. Je peux pas, ils sont partout, je peux pas. Allez, Smoke, t'en as un, il est là, Smoke, il est devant moi. Dans la petite pièce. Allez, vas-y, ranime-moi, on y va. Jette-lui un Smoke, et moi, je vais de l'autre côté, vas-y. Non, putain, il est là-bas, le poteau, on a renforcé le mur. Ah ouais, putain, merde. Mais non, mais Smoke, tu sais qu'il est là-bas! Moi, je peux pas! Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas normal! Et qu'il y en ait pas un qui me dise, ouais, mais tu rushes pour rien. Non, je rush pas pour rien, les gars. Si je rush, c'est vraiment justifié. Parce que je vois des trucs qui sont pas. C'est pas normal, en fait, de voir ça. Il y a un Blitz. Il a pris plein de balles, bien clash. En vrai, c'est bien que t'aies pris clash. Attention, ça va push, mon gars. Oh là, je suis mort. Mais comment? Regarde, encore un kill au sniper. Comment il peut faire un kill au sniper là? Comment c'est possible qu'il ait autant de facilité à faire un kill au snipe, les gars? C'est rentré. Putain, on a perdu clash, les gars. Mais pourquoi? Mais smoke! Mais putain, mais les gars! Je sais qu'il a pas fait exprès, je le sais. Mais pourquoi mettre un smoke? Quelle est l'utilité? Ça va planter en face, ça met des fumées. En face, c'est des Thanos, les gars. Oh, y'a un blitz sur moi, je fais comment, gros? Je l'ai mis à terre, je crois. Ça dure longtemps, le flash, hein. Il est long, celui-là, il est très très lent.
Eh, meurs, bâtard, j'en avais mis un à terre avec le frost, les gars. Attends, franchement, c'est trop dur. Je vous jure, c'est trop dur psychologiquement. Et en plus, les mecs, franchement, je vous aime, vous le savez. J'essaye vraiment d'être bienveillant à chaque fois. Mais vous faites tout le temps les mêmes erreurs dans chaque route du champion. À un moment donné, je peux pas mieux vous expliquer les choses. Jouer safe, c'est simple de jouer safe, y'a rien de plus simple. Parce que vous vous compliquez la vie à vouloir, entre guillemets, tout le temps et tout le temps faire des kills. Vous préférez faire des kills et perdre ou vous préférez pas faire de kills et gagner? La question, les gars, elle est vite répondue. Ah, je me retrouve à jouer des agents, les gars, que j'aime pas, mais parce que si on les prend pas, on perd. Wamai ou Jaeger, ils sont trop importants ici. Là, regarde, ça va droner, tu préfères le drone, après tu te barres. Ça va forcément te jeter une flash, mais comme j'ai mis des Wamai en l'air, ils pourront pas. Là, tu vois, on se prend un open kill, encore une fois de merde. Là, y'a un blitz qui me rush. Je sais pas comment je le tue, mais j'ai réussi, les gars, c'est incroyable. Ah, faut que je mette plein de Wamai parce qu'ils vont venir me chercher, tu vois. Eux, ils drone en face, ils jouent bien en squad. Mais nous, poto, on a un smoke, je sais pas ce qu'il fait en roaming, le smoke. Ça sert à rien d'avoir smoke roaming. Si t'as envie de roomer, gros, prends une caméra. Ouais, forcément, ils ont pris une clash aussi en face, les gars. Qui a pris une clash? Bon, ça va, c'est celui qui est en 0-3. Ça devrait pas être une grosse menace en soi. Après, ne jamais sous-estimer un plot. C'est quand il est dans la difficulté et que réside sa force. Ah, mais c'est vrai, les gars, vraiment. Vous connaissez le push que j'aime bien faire, les gars, c'est ici. En vrai, il faut juste avoir un bon timing et chose que je peux avoir. Allez, on y va. Mais permets-moi juste de casser la porte, de me tailler comme une petite PUTE et de redroner un petit peu. Alors en dessous, ok, on a un rook ou un doc, je sais pas. Un doc, je crois. Enfin, remarquez les deux en face, hein. Pas de jaloux. Il y a un mec au niveau du couloir, lui, je peux essayer de l'avoir. Ça peut être le bon moment. Et si jamais lui, il a envie de lui prendre sortir, ok. Et j'espère seulement que l'autre, il va être encore là-bas. Il a bougé forcément, les gars. Mais au moins, le mur se fait ouvrir, c'est une très bonne chose. Bien, les gars. Ah là, les T1, faut les ouvrir, c'est le plus important. Le bac me fait quand même relativement... Ah, j'ai plus de drone. Ça me fait un peu peur. J'ai vraiment plus de drone, là, plus un seul. Oh, termite. Je crois que je l'ai... Je sais pas si je l'ai mis à terre, le Rex. 4v5. 3v5. Je vais mourir dans pas longtemps, je pense. Bah, il fallait pas ouvrir là, gros. À la rigueur, ici. Il reste la clash encore en face. Non, c'est bon, elle est morte. Ah, le diffuse est mort. Enfin, il est tombé. Le diffuse, allez, go. Je sais pas du tout, il est où. Yana, faut qu'elle fasse un truc au bac, hein. Yana, faut faire un truc, hein. Je sais pas. Bien joué, Yana, bien. On compte sur vous, hein. Putain, on a fait un bon taf, bien joué, gros. Là, tu vois, on a fait un bon taf avec Yana. Le truc, c'est qu'il aurait fallu qu'elle soit un peu plus réactive. Parce que moi, je me suis retrouvé trop esselé, en fait, tu vois. Mais en soi, la finalité, c'est bien, on a gagné. C'est le plus important. Je vais taper un push. Je devrais peut-être pas le faire, je sais pas si je dois bien perdre, le faire. Oui. Non. J'ai tenté, les gars, j'ai vraiment tenté. Par contre, il y a un bug de son, vous avez vu, il n'y a pas de son sur les killcams. En fait, la pression monstrueuse que j'ai, et certains vont comprendre, d'autres pas, mais c'est pas grave. C'est, en vrai, vous allez dire que c'est prétentieux, mais c'est pas prétentieux. Parce qu'en vrai, c'est quand même la réalité. C'est dès que je vais crever, les gars, je vous jure, la manche, je sais pas qu'elle est perdue, mais... Oh non, il y avait un gars, j'ai pas de timing. La manche, elle est vraiment quasiment perdue. Donc moi, dans ma tête, je me dis, putain, faut pas que je meure. Et plus je me dis ça, et bah c'est là où ça me bride et je suis pas en confiance. Il y a un pulse, il est là, le fumier de bâtard, de chauffe de merde. Il y a surtout la clash là-haut. Oh, putain, merde. Les abonnés, ah bah non, j'en ai marre, les gars, j'en ai marre. J'ai compté le nombre de manches, on a 4v5. Comptez-les, allez-y. Clash, elle va être. Ouais, elle va me faire chier. Ibana, il y a le mur T1 à ouvrir, pourquoi t'es là? Après, les gars, je fais. C'est pas méchant. Je change, entre guillemets, des squads. Là, je comprends pas comment ça joue, je sais pas. Je comprends pas. C'est effrayant, là. Vraiment, c'est effrayant. Faut que je fasse 15 kills par game pour gagner. Mais regarde, Ibana, mais. Ah là, Ibana vient d'ouvrir le T1 à 1 minute 30, les gars. C'est beaucoup trop tard, 1 minute 30. Bien joué, 4v4, allez. Mais c'est beaucoup trop tard. Faut l'ouvrir dès le début. Là, y'a personne sur ce site. Attends, ça peut être magistral. Faut que je fasse 15 kills, les gars. Si je fais pas 15 kills, on perd. Y'a Clash, ok, elle est sur. Entre la rotation. Et on a le docteur ici. Mon drone est mort, c'est pas grave. Je suis mort. J'en ai trop marre, j'en ai vraiment trop marre. Faut que je fasse 15 kills, les mecs. Interrogation, les gars, interrogation. Putain, j'en ai marre. Mais j'en peux plus. Ils s'en battent les couilles. Je vais mourir avec la clash, les gars. Bah, je vais mourir au clash. Je peux pas. En face, regarde comment ils jouent. Ils jouent trop bien. Pourquoi moi ça joue pas comme ça? Regarde, mais c'est pas possible. Ce qu'on perd, les gars. C'est pas possible. Et ne me dites pas que je suis de mauvaise foi ou je sais pas quoi. Moi, putain, les mecs, j'ai un champion à aller chercher. Je carry toutes mes games. Quand je vous dis toutes, c'est toutes. J'ai 2 de ratio. J'ai 0,9 de victoire-défaite. C'est pas normal. Soirée de merde. C'est pas normal que je perde autant de games tout le temps. Encore si je suis en 0 kill. D'accord. Pourquoi j'ai gagné 0 renommée? Ah, j'ai pas perdu de points, les mecs. Oh, let's go. Je crois qu'il y a un bug. Ah, bah, c'est bon, ça me va. Mais non, ça me va pas. Parce qu'on joue mal. On joue trop mal. Ah, si, je les ai bien perdus, mes points. Mais franchement, les gars, c'est horrible. Oh, regarde mes ratios, mon pote. J'ai 0,9 de victoire-défaite. C'est atroce. Je perds plus de games que je ne fais de kill. Normalement, c'est l'inverse, les gars. Je devrais avoir 0,9 de ratio. En vrai, inverse-moi ces ratios. Moi, ça me va, en vrai. Hein. Tu me mets 2,0 en victoire-défaite. Ça veut dire que je gagne tout et je suis très content. Allez, mettez-nous frontière au gratte-ciel. Mais c'est pas possible. Pourquoi on fait les mêmes cartes? Pourquoi? Tout le temps, pourquoi? Y'a pas un algorithme sur ce jeu. Enfin, y'a même pas de serveur, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait un algorithme? Putain, mais j'en demande trop. En face, y'a un mec qui s'appelle Fratotix. Oh, si on perd contre ça, c'est... Ah.
atroce. Déjà, j'aime bien la squad qu'on a. On a Ying, Buck, Yana, Ace et Ash. En vrai, ça, c'est une compo, les mecs. Et normalement, tu peux que ouvrir un T1, faire des frags et tout. Donc, en vrai, de vrai, je vous fais entièrement confiance. J'espère qu'on va gagner, les gars. Putain, franchement, c'est la route du champion la plus compliquée. Et en vrai, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est pas de ma faute. À partir du moment où j'ai deux de ratio, ça peut pas être de ma faute. Moi, j'ai fait une pause de 1 heure, en vrai, les gars. Donc, faut que je me remette dedans. Là, je suis beaucoup moins chaud qu'avant. Donc, je compte sur ma squad d'abonnés pour me carry. Et ça commence mal. On va leur laisser une chance, les gars, tranquille. Et puis, en soi, c'est pas grave, on perd, c'est un jeu vidéo, hein. Le champion, c'est un putain de bout de pixel. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais c'est vrai que j'aimerais quand même bien l'avoir, étant donné que j'ai fait des bonnes games, les gars, hein, franchement. Faut qu'il y en a un qui vienne me piquer en soi. Oh oui, elle fait le rire, les gars. Là, il voit pas votre drone hein, dans les fougères. Faut qu'il y a un abonné qui aille le niquer jacuzzi. Bien joué, gros. Enfin, je sais que c'est pas le fait rire, mais bien joué quand même. Est-ce qu'il y en a un là? Non. Yana, elle est en train de faire des poches sales. C'est pas grave, elle a fait de moins 2, elle a fait son taf, les gars. En vrai, on peut pas mieux lui demander là. Maintenant, c'est à nous d'assurer. J'ai tout tiré dessus les mecs hein, franchement. Je sais pas quoi faire plus, j'ai tout tiré sur le Fenrir. Putain, c'est pas normal. Faut que je me remette dedans les gars, là c'est compliqué hein. Franchement, faut pas tilter, faut rester focus dans la game. C'est pas grave, je suis mort, ok, tranquille. Y'a un mec à la trappe les gars, il a cassé la trappe, c'est juste là. Ouais ouais, il est là. Je sais pas si je l'ai mis à terre en vrai, de vrai. Je crois pas hein. On va pusher de ce côté les mecs, c'est parti. Oh, au fond, putain, j'ai jamais les bons timings, les gars. Turn. Ils ont l'air de bien jouer en face les bougs hein. Là y'a un Fenrir là-haut, faudra le péter les mecs. Il a sauté trappe les gars, trappe, il est là. Putain, mais j'arrive pas à l'avoir. Je sais qu'il est là-dedans, les gars, je le sais. Regarde, il a mis tous ses gus. Ça va être chaud. Chaud, chocolat. Oh, ce que je lui ai mis. Oh, les gars, faites des efforts, les gars. Des efforts. Juste des efforts. C'est un malade. Mais y avait Ace derrière. Mais il y avait même deux abonnés qui avaient la même ligne. Pourquoi vous la tuez pas, Thorn? Putain, mais fais chier. En fait, pourquoi j'avance bêtement comme ça? Parce que je me dis qu'il y a la cover et que quelqu'un va à le couloir. Et c'était le cas il y a 2 secondes, les gars. Mais 2 secondes après, quand je décide d'avancer, il y a plus personne. Non, mais R6, ouais, je vous jure, en ce moment, c'est vraiment compliqué, j'ai l'impression de jouer en squad. En face, ils sont pas nuls, tu vois. Enfin, t'as l'impression qu'ils gèrent. Et alors, avec nous, ben. Alors, je dis pas qu'on est nuls, hein, loin de là, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ouais, ont entre guillemets une meilleure façon de jouer que nous. Si y a un mec au top, il peut le travers, hein, par le top, lui. Hein. Là, tu vois, là, y a un mec, lui, il y a personne au top. Tu vois, ça, c'est un kill gratuit, normalement, ça. Là, normalement, Fenrir, c'est un homme mort. Là, y a un Thorn ici, ok. Bah, je vais essayer, les gars, mais je sens que je vais mourir. Ce que je lui ai mis, par contre, vous avez vu en face comment ils jouent, les gars. Ils se mettent à l'opposé du site et ils campent dans des coins. C'est franchement, ils jouent bien en face. Moi, je peux que leur tirer mon chapeau, entre guillemets. Ok, il y a le Fenrir toujours là. Ils sont tous en roaming. Je peux pas. Ah, vas-y, les gars, on est encore en train de se manger un 3-0. En face, t'as l'impression que c'est des mini Thanos, tu vois. Je sais pas, ils sont beaucoup trop forts, les mecs. C'est des PGM de la street. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, ils sont sur le toit. On sait, on pique pas. Ça peut paraître être un conseil vraiment très très minimaliste, mais on pique pas un mec à un toit, les gars. Ok, regarde, le tien, il se fait déjà ouvrir. Nous, pendant l'attaque, les mecs, 0 fois on a eu un mur T1 d'ouvert. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font, et ils ont raison. Et pourquoi nous, on le fait pas? Eh ben, je sais pas. Ok, un drone mort, c'est déjà ça, allez. Là, on est en défense, c'est pas à nous de piquer, les mecs. Vous le savez, vous connaissez les bails. On a juste à attendre qu'ils viennent planter derrière le bar, et il y en a un en dessous qui met un C4. Mais malheureusement, dans notre squad, il n'y a pas de C4. Au bac, ça a pris un tort, les gars. Ah, il y a un abonné qui reste devant le mur T1, les gars, c'est normal qu'il meure. C'était prévisible, en vrai. Je me fais repérer par les abeilles de Grimm, c'est mort. Joyeux Hunger Games, les gars. C'est rentré, piano. Ça pose, putain, les gars. Allez, les gars, s'il vous plaît, putain. Oui, les gars, 3v1, allez, on peut le faire. Faut juste avoir l'info sur le dernier. Il est sur moi. Allez, les gars, diffusez, allez-y. Allez, les gars. Allez. Oui, les mecs. La diffuse de Thorn, c'est bien, les gars, allez. On peut le faire, les gars, on peut la faire, la remontada. On n'est pas des plots, en vrai. Pourquoi ils seraient plus forts que nous, en face? Ils sont pas plus forts que nous, il y a un mec en 8-3. Bon, lui, il est plus fort que nous, c'est vrai. Là, les gars, Kali, elle va ouvrir le mur, attention. Eux, vous avez vu, ils les font, les briches, hein. Non, mais les gars, pourquoi vous piquez une Kali? Mais je comprends pas. Mais vous savez, je vous jure, je serais pas champion à cause d'erreurs comme ça. Je deviens vraiment aigri, là, aujourd'hui. Il y a une Kali en fond de map, va pas piquer le trou, je... Ça rend de couleur bleue, normal, comme ça. Qu'est-ce que c'est encore que c'était lié? Mais pourquoi il y a un trou là? Qui c'est qui a fait un trou là? Qui a mis une percu ici? Vous nous avez mis dans la merde! Mais c'est pas possible, les gars! Mais j'en ai marre! Oh, j'en ai trop marre! Mais pourquoi vous faites un trou? Pourquoi? Moi, j'en sais rien qu'il y a un trou, du coup je meurs comme ça! Mais c'est pas normal! Ah, vas-y, c'est trop grave. Je vous jure, ceux qui savent un minimum bien jouer R6 et qui regardent là mes vidéos, les mecs, vous savez que ce que vous voyez depuis tout à l'heure, y'a rien de normal. Y'a que les gars qui savent pas jouer au jeu qui vont dire oh, t'abuses. Non, j'abuse pas, les gars, j'abuse pas du tout. Vas-y, c'est trop grave. 13 points encore. Vas-y. Est-ce qu'on va faire une 4e fois ou 5e ou 6e fois chalet aussi, hein? Allez, faites un petit peu changer. Voilà. Oh, bon, merci. Quel bon choix de carte. On va se ramasser café, c'est annoncé, je le call, les gars. Mais regarde, je vous l'annonce, c'est café. Je vous l'annonce. Oh oui, putain. Faut être négatif. Les gars, je suis désolé, j'ai l'impression d'être aigri. Mais parce qu'aujourd'hui, je vois des choses que normalement, je dois pas voir. Normalement, là, c'est full win, hein. Y a pas une game qu'on doit pas gagner. Je sais même pas si j'en ai gagné une aujourd'hui. Je sais même pas.
Mais y a encore un mec qui s'appelle Tang. Mais ça, je crois, c'est quand sur le PSN, ils font une dinguerie, les mecs, ils s'appellent Tang parce qu'ils ont insulté ou ils ont fait une connerie. Du coup, ils sont punis et enfin, Sony, il les appelle Tang. Quel pseudo de merde, n'empêche. En vrai, la compo qu'on a, les mecs, on peut pas perdre avec ça. Y a le Brickshare, il fait les murs. Les pêcheurs qui vont pêcher le kill. Le bug qui va en dessous. Sur ma vie, on perd des trucs que normalement jamais tu dois perdre. Là, ce que vous faites avec votre drone, au lieu de l'envoyer au casse-pipe dans l'objectif, venez le placer, tranquille, vous le mettez là. Et voilà, ça vous fait une petite caméra et vous le touchez plus. Oh putain, la compo. Ella, Thorn, Lésion. Oh les gars. Misère, je viens d'arriver en enfer avant l'heure. Non mais en vrai, vous me comprenez les gars, que je rage un peu. En soi, c'est pas contre les abonnés. Parce que je sais que chacun a son niveau, c'est pas ça le truc. Mais c'est qu'à chaque fois, dans toutes mes vidéos que je fais, route du champion, et bah il se passe toujours des conneries en fait. Et en fait, c'est le fait que ce soit récurrent qui est embêtant. Si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais le fait que ça arrive tout le temps, bah tu pètes un câble en fait. Enfin, je pense que vous me comprenez. Enfin, j'espère. Bon, du coup, regarde, mon drone, on le prend, celui-là, on sait qu'il y a Ella, tu vois, c'est pour ça que je mets un petit travers là, parce que je le sais qu'elle est là. Là, ok, Finky, attention, je vais mettre un ping rouge. Là, tu peux la travers, là, faut la travers, Ella. Et pourquoi je mets un ping rouge, les gars? Parce que mon drone, elle sait pas qu'il y a un drone qui est placé ici, tu vois, elle le sait pas. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre un ping rouge, parce que mon drone, il restera safe dans tous les cas, tu vois. Mais faut vraiment s'en débarrasser, je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut l'avoir. Moi, je vous mets des ping jaunes, il y a un mec qui la push, qui l'agresse, et fini. Il y en a même deux, les gars, deux. Oh putain, j'aurais dû rester là-bas à ma fenêtre. Vous êtes prêts? Regardez ce que je vais tenter, les gars, ça va être audacieux. J'ai été trop long, enfin trop long. Je pense que j'ai pas eu le bon timing, c'est bon. Ok, allez, il y a toujours le petit Lésion qui est dans le coin, les gars. On y va. Lui, on va le chercher, c'est parti, ça a pété. Donc là, ok, il a vu qu'il y a un trou, il va pusher le trou ou pas? Bien évidemment, lui il est vraiment con, les gars. Là, tu vois, enfin, j'ai l'impression qu'il joue comme des bitumen. Et moi, je joue safe, hein. Voilà, avec le drone que j'ai placé, vous faites 2 kills. Quand je vous dis que R6 c'est simple, faites-moi confiance un petit peu dans la façon de jouer. Certes, je suis pas le meilleur joueur de R6, loin de là. Mais bordel de merde, faites-moi confiance et vous verrez que vous allez progresser de folie. Ça vous pêche, les gars. Ping rouge là maintenant. Voilà, c'est posé, c'est très bien, les gars. Vous avez vu comment on joue à Rainbow Six, les mecs? Manche parfaite. Attends, ils ont changé de BP, les mecs? Ouais, ils sont bel et bien cuisinés. Il y a du Lésion, faites bien gaffe, les gars. En face, ils aiment bien les pièges, ils les mangent par le cul. Il y a de la Zami aussi. Franchement, là, ça va être chaud. Très compliqué, mais il y a un Fuse, les gars. Et j'aurais jamais cru hier un jour, mais Fuse va carrer la manche. Je vous le dis, je le sens. Est-ce qu'il va en mettre un là, Fuse? Non, je sais pas. Bon, tu veux pas? Je pense que le poteau Fuse, faut qu'il aille au top, les gars. Il va se régaler, ça va être la régalade. Regarde, là, tu vois, s'il met un Fuse là-haut, la Thorn, elle dégage, et moi, elle vient dans mon viseur et je la baise. R6, les gars, c'est tellement simple quand c'est bien joué. C'est un truc de fou, hein. Ouais, la Thorn, elle est toujours là. Vas-y, mon Fuse, mets un Fuse là-haut. Je serais presque tenté de rentrer, mais le problème c'est qu'il y a, je présume qu'il va y avoir un GU à la porte, hein, c'est sûr. Du coup, ça va annoncer ma position. Alors en vrai, si je casse le GU, pourquoi pas? Ok, c'est chose faite. Ah, dommage, on a perdu Finca. Non, là c'est pas bien, les gars. Là, tu vois, on rush encore une fois, on perd le diffuse à Bubblehead. Vas-y, c'est chiant. J'y vais, les gars, j'y vais. Non, ils l'ont eu, bien joué. Tu vois, là c'est un gros problème. Moi, je suis sur site et j'ai pas le diffuse encore. Ça casse les roustons. Et vigile, les gars. Vigile mort, allez, les gars, on peut le faire. La clé mort qui va peut-être carrer, j'en sais rien, faut le diffuseur, gros. Ok, le petit pré-fire, faut que je fasse tous les kills, vous avez vu ou pas? Je vous mens pas, les mecs, hein. Quand je vous dis que je dois carry toutes mes games, si je ne les carry pas, on perd. Le diffuse bien, Yana, les petites clés morts random un peu. 40 secondes, faut s'activer, gros. Vas-y, pose. Il est là, il est pour moi. Il a pris une balle. Là, en vrai, si je reste comme ça, il peut pas m'avoir normalement. Il a pas là un viseur 1.5, il est mort. Contact à gauche. Normalement, on a gagné, les gars. Il est rentré, gros. Hein. Let's go, bien joué. Il y a un rageux, les gars, en face, il m'a dit GG, mais en gros, aie une vie. En mode, parce que genre, je suis fort, je fais des kills, mais j'ai pas de vie parce que je fais que je vais à la play. On lui dit ou pas que je suis loin d'être le meilleur joueur? Et qu'il est en train de se faire casser le cul par un mec qui est en train de jouer un calbar, on lui dit ou pas? Oui. Bien joué, le mur qui est open là-bas, c'est très bien, les gars. Action, réaction. En face, ils font une défense bizarre, il y a du Lésion un peu de partout, il y a aussi des trous de partout. Ils ont même pas renforcé ici, oh là là. On peut faire un push sale en vrai, hein. Attends. Moi, j'ai pas le diffuse, donc ça va être risqué. Là, il y a un torn ici, attention, mon gars, quand tu vas rentrer. Il y a un mec en bas, Lésion, il est sorti de cuisine. Bien, mon gars, très très bien. Oh, l'abonné, il a piraté le torn. Bien, ça va bien. Là, il y a un mec au fond, les gars. Attention, on y va. Let's go, allez. En vrai, attends, faut continuer à droner. On perd pas de temps. Le poteau, il est toujours au fond, je crois, hein. Ouais, bien évidemment, c'est torn. Faut la pigner, les gars. Attends, je te fais une ouverture là, mon vieux. Comme ça, tu peux rentrer si t'as envie. Vas-y. Faut se débarrasser de la torne ou qu'il y a un abonné qui aille planter. Bien joué, c'est chose faite, les gars. Bien. Là, c'est une très très belle attaque. Par contre, comment ils sont très nuls en face, hein, les gars, vraiment. Allez, sur moi. Bien joué, les plouks. Bien. Attends, il y a le mec en face. Ah, deux secondes. Il y a Tang. Il m'a demandé de lui envoyer mes réglages, frère. Je vais lui envoyer parce que. Mais putain, c'est quoi ce rollback? Je vais lui envoyer parce que je suis quelqu'un de gentil. Mais gardez en tête, les gars, que les réglages, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que mes réglages à moi me conviennent. Et ils conviendront peut-être pas à d'autres gens. Ça rush, hein, les gars. Il y a Amaro qui est rentré sur site, je crois. Ouais, elle est sur site, les mecs. Bien joué, ils l'ont eu. Ah, dommage, mon gars. Attends, essaye de venir. Je vais mettre du feu de Tachanka. Non, ça rush, gros. Attends, allez, tout pour les collègues. Tout. Allez, c'est parti, ma couille. Attention, ouais, parce qu'il push en dessous, hein. Moi, je retarde un peu l'échéance, mais le problème, c'est que là, on est trop. Ah, on est coincé. Et je crois qu'au fond du couloir, là-bas, il y a Sledge, je suis pas sûr. Bien joué, à élimination. J'avais dû le toucher avec le Fuego. Faut que je revienne là, moi, vite. Ah!
Le Mozi il est en dessous, je pense qu'il prépare un petit C4, c'est bien joué en soi. Ok, Sledge il arrive. Il est VIP. Je vais essayer de leur faire perdre un max de temps, mais c'est chaud attachant qu'à les gars. Ah 2v3 dommage gros, c'est pas grave. Il a tenté de faire le move en vrai. Ok, les deux sont sur site les gars. Attention, attention. Ah, j'ai fait la moins 2, à toi de faire le 9v1 gros hein. Non mais les gars, c'est ce que je vous dis, si je fais pas tout, on gagne pas, je vous jure, c'est un truc de faux. C'est curieux. Regardez, carrément il a traduit en français, seriez-vous à l'aise de me montrer vos réglages et votre sensibilité? Je suis curieuse. T'es curieuse? Ah, t'es une fille. Si vous pouviez envoyer une capture d'écran, ce qui serait encore plus utile pour moi. Si vous le pouvez, je vais lui envoyer les gars, je suis gentil. Honnêtement les gars, vous pensez que c'est moi le problème là? C'est pas humain, mais arrêtez de piquer les gars. Putain mais la manche commence. Je crois que je vais arrêter de faire des routes du champion avec les abonnés. Ah, ça va sûrement être la fin, en vrai de vrai. J'aurais essayé, hein, mais là, ça, c'est plus possible. J'en ai trop marre, mais vraiment, j'en ai marre. Moi, je veux bien essayer, mais en vrai, à un moment donné, c'est bon, faut arrêter les conneries. Hein. Attention, il y a zéro, les gars, qui met une caméra. Il y a des caméras, on pique pas, ça sert à rien, on est en défense, faut pas piquer. Ça sert à quoi de piquer, à part pour mourir et perdre? Oh, je comprends pas, des fois. Il y a un Fenrir, là. Un Fenrir à la porte, un Fenrir au bac. On attend. Le tir, on met un zéro, il commence à me casser les couilles, hein. Il commence à me péter les couilles, celui-là. Mais t'as pas compris, en fait, les caméras, on les entend en bouffon. On va se manger un rush éclair, je le sens. Y'a rien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de setup, y'a rien les gars. 4v3, bien, bien joué. Allez. Yo, y'a un trou, j'ai pas vu. Attention le trou, joint. Voilà, grosse tête sa mère. Allez les gars, on continue comme ça. On est 4v2, solide sur les appuis. C'est rentré, ça a pris le Mélusi, on l'entend. Oh, faut viser, faut pré-fire. On se prend une moins 2 là. On se prend une moins 2 comme ça, mais les gars, mais comment vous tombez? Vous avez juste à garder une ligne. Après moi je me fais rusher par deux mecs, tu veux que je fasse comment? Comment? Ça pose dans le coin là-bas, ça pose. À droite, oui, à la rota, tu l'as vu, bien joué, allez, nique le sa mère. Il est à terre, tu t'en fous du kill, faut tuer le las maintenant. Tu fais quoi gros, tu fais quoi? Mais vas-y, fais quelque chose. Il va être en extérieur, le temps presse, il y a un timer. Tente une fake diffuse, enfin maintenant c'est trop tard. Ça te rush à gauche, c'est fini, on a perdu. Allez, encore. Non mais c'est que, en vrai les gars, sans déconner, je sais pas quoi faire de plus en fait. Je suis en 12-5, tu veux que je fasse quoi de plus? Ce qui est pas normal, c'est qu'on est... Regarde, je vous fais le schéma. On était 3 sur site. Enfin, je vais peut-être pas vous faire le schéma, je vais me faire travers. Mais il y en a un qui garde une ligne comme ça, et l'autre qui la garde là. Et résultat, les deux sont morts parce qu'ils visent l'opposé. On devient fou. Non mais je sais pas les gars, c'est quand même bizarre. Enfin, je trouve que c'est bizarre en tout cas moi. Alors ne me dis pas s'il te plaît qu'il y a une Zofia qui Ah ouais, non mais c'est vraiment en face, c'est gros tryharder. Bien joué, en face ils sont trop forts les gars. Je m'incline, ils sont beaucoup, beaucoup trop forts en face. Voilà, ça va rusher, il y a la Brava. Vas-y moi ça me dégoûte les gars. Si les abonnés le font, respect, mais... Je sais pas, j'ai aucune conviction. Les caméras qu'on a, elles sont vraiment merdiques. En plus, je suis désolé, je crois que c'est la dépression qui me gâche, j'en ai marre en fait. À droite, derrière toi. Ouais les caméras, on peut rien vous prendre les gars, désolé. Bon bah 2v4, c'est perdu les gars, encore une fois. Regarde en face, ça lance des grenades timées, ça joue super bien, ça prend les infos. Moi je sais pas. Moi désolé, je vais quitter les gars. Regarde comment il joue, lui tu vois, il est trop fort. Lui, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Défaite étouffée alors qu'on gagne 3-0 les gars. Je suis en 12-6, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En face, le fils de p*** là qui s'appelle Crash là, ta grande tante Crash, il m'envoie aise alors que j'ai 40 fois son niveau, il est en 7-9. Bon, allez les gars, moi je vais changer de squad, je pense que je vais faire ça à chaque fois que je perds. Là, c'est plus possible. En vrai, les routes du champion, je sais pas, est-ce que je les fais en solo ou pas les gars? 14 points, je vais les faire en solo, je pense, les routes du champion. Bon, j'ai relancé avec des abonnés, est-ce que j'aurais dû les gars? Non, pas du tout. Je ne sais pas, parce qu'en vrai, c'est le concept, la route du champion. C'est de jouer avec les abonnés, donc ben, faut que je monte champion comme ça, mais c'est dur. J'ai un ping de merde, j'ai 91. Ça va être une game, encore une fois, folichon ça. Oh, consulat, putain, enfin une bonne carte. Et quand j'ai une carte que j'aime les gars, j'ai... J'ai 100 de ping, alors que jusqu'à présent ça allait très bien. Non mais il y a une malédiction qui veut pas que je sois champion aujourd'hui. J'ai pas d'autre explication les gars, vraiment aucune. C'est trop bien, quand j'ai une carte que je kiffe, faut qu'on vienne me mettre un ping éclaté les gars, je comprends pas. Même le poteau au face de Raw, il a 130 de ping. En face y a un mec qui a 96, on a tous des pings un peu dégueulasses, sauf à la rigueur Dino qui a 29. Et Sniper qui ont 27 et tout Boum qui a 17 lui. Il en a de la chance le poteau d'avoir 20 de ping, j'aimerais bien voir ça. Je pense vraiment qu'il y a une force obscure qui m'empêche de monter dans les grades, c'est pas possible les gars. C'est pas possible d'autant avoir un karma comme ça là. Regarde, je suis devant une bombe, ça la repère même pas. Normal, j'ai envie de vous dire. Aïe aïe aïe, ce jeu les mecs, fini à la pisse hein, que voulez-vous. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il est fini? Parce que dire qu'il est fini à la pisse, ça veut dire qu'il est fini. Mais je suis pas sûr qu'il soit fini R6. Ils font bien les petits murs en face, ça s'active comme des fourmis. J'espère vraiment qu'on va gagner les gars, sincèrement. Parce que là, ça commence un peu à me saouler. Encore si je suis en 0-15 toutes les games, c'est de ma faute, tu vois. Mais c'est que le problème, c'est pas de ma faute. Et ça m'énerve. Ah putain, bien joué l'open kill. Allez les gars, sans déconner, c'est maintenant. Ça part de là. Enfin, en vrai, on a gagné 3. Enfin, on gagnait 3-0 la game d'avant. Même si là, on gagne 3-0, ça nous assure même pas de. Bah, la victoire, en fait, tout simplement. Mais en face, il y a une soliste, les gars. Donc, je vais éviter de trop droner. Là, au ping, les gars, jouez un ping rouge.
Bien joué. Très beau kill, ça. Ah, 5v2, les abonnés, est-ce qu'ils ont compris le message, là? Oui, les gars, allez. On peut le faire. Faut qu'il y en a qui viennent planter, maintenant. On a le site pour nous. Ah, ah, le turn, hein. Oh, allez, les gars, on peut le faire. Allez. Allez, pas de spawn kill. On y va, les gars. Faut les assassiner. Faut y aller. Faut leur mettre une pression, les gars, monstrueuse. Et ça sera free win, hein. On prend les infos qu'il faut. On drone. J'ai mal droné. Attends, tu sais quoi? Autant s'assurer comme il faut qu'il y a vraiment personne dans ce petit bureau. Ok, c'est chose faite. Je vais pouvoir m'insérer en rappel, là. C'est très, très bien, ça. Là, ils sont fermés en plus ici. Parfait, les gars. Il y a du frost. Faites gaffe, les gars. Allez, moi, je vais rentrer en rappel. J'espère sincèrement que je vais pas avoir un timing de plot. Il y a pas de frost en plus. Allez, on y va. Bien joué, Buck. Tu vois, j'ai droné il y a 2 secondes, il était pas là. Et là, il est là maintenant. C'est franchement le jeu. C'est incroyable comme j'ai pas de chance sur ce jeu. Ça, c'est l'histoire de toute ma vie sur R6. Je drone, il y a personne. Et quand je reviens, bah, il y a un mec. Je suis tellement déçu. Faites gaffe, attends, je vais mettre un ping rouge. Enfin, un ping rouge, un ping pour les abonnés, pour leur avertir qu'il y a du Capcan. Et qu'on rush pas comme des gars. Il y a Kaïd aussi. Oh, les gars, Kaïd roaming. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas perdre contre ce genre d'énergumène, hein. Je sais pas si ça s'entend, les gars, dans le son de ma voix. Mais vraiment, je suis dépité. J'ai l'impression que tout ce que je fais là, cette troupe du champion, elle est réduite à néant. Et que, bah, que le contenu, il est dégueulasse. Mais après, c'est pas de ma faute, les gars. Si on pleure vraiment, je suis désolé. Bien joué, Dinos. Il est chaud, le poteau. Il est en train de faire une belle game là. Ouais. Très très bien, les gars. C'est pas grave, Dinos. Il fait une belle game. Il a fait l'open kill. Maintenant, c'est à nous de faire le reste. Allez, on va y aller progressivement, doucement. Ah, tu vois, on a bien fait d'y aller. Voilà, on est toujours très doucement, les gars. Je sais même pas qu'il y avait une caméra ici pour vous dire. Tu vois, j'avais mis un ping là pour le Capcan. Il y a un mec qui s'était pris, les gars. Ok, mort, lui, il est très con. Je vais tester une strat. Attends, on va voir si on peut voir un mec en dessous. Ah ouais, ça donne la vue sur le pilier. C'est pas mal en vrai. Oh, j'ai cru que c'était un adversaire, pardon. Attends, je vais te droner, mon vieux, je sais pas. Ah, si, j'ai plus de drone, s'il y en a un là. Il nous reste 50 secondes en soi, on est bien, on est pas trop mal. Ah, putain, merde, l'abonné, il est mort devant moi. Donc j'ai plus forcément ma cover. Donc mon dronage est fini. Là, il reste 30 secondes, faut que ce Oba qui fasse le taf. Ok, l'autre, il a mis un smoke. Est-ce qu'il va me piquer dans le smoke? Telle est la question. S'il fait ça, c'est un terroriste, hein. Il reste 20 secondes, les gars, faut tenter un truc au bac, hein, attention. Ok, le smoke toujours là. Moi, je vois rien avec la fumée de smoke là. Faut que je fasse un truc. Non, j'ai pris un gus, je suis un homme mort. Je peux rien faire, les gars. Je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En vrai, je sais pas, les gars, si vous avez des solutions pour m'aider, de me dire comment faire pour gagner des games sans que je rage ou j'en sais rien. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Regarde, il y a un mec qui drone. Je fais semblant de pas l'avoir vu. Regarde, lui, du coup, il va enlever son drone et me jeter une grenade. Ah non, le plan s'est pas passé comme prévu. Ah, je suis en train de perdre toute la motivation que j'avais. Je donne tellement d'énergie pour cette roue du champion, les gars. Si vous saviez comment c'est dur, mais je sais pas quoi faire de plus. Là, regarde, on est 3v5, mon pote. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Je vais me faire assailler de partout. Allez, 3v4, bien, les gars. Allez, s'il vous plaît. Faut vraiment m'aider, les gars. Je compte sur vous. Moi, je suis nul tout seul. J'entends rien avec le gridlock déployé, sa mère. C'est rentré au bac, non? Je sais pas. J'entends des bruits un peu de partout. J'ai aucune info. Ah, mais il y a une fleur qui me gêne. C'est rentré, ça a pris le torn. Attention. Ok, on sait que c'est là-bas. Attention, torn, attention. Je me prends la traverse. Regarde, tu vois, il place des drones, c'est fumier. Vas-y, je peux pas, je me fais assailler de partout, je ne peux pas jouer. Je suis un peu déçu. Je suis à deux doigts, en fait, d'arrêter la série Route du Champion. Ça sert à rien. J'ai l'impression qu'il y a pas d'effort, les gars. Que tu fasses 0 ou 20 kills, c'est pareil, c'est le même résultat, tu perds. À quoi bon, en vrai? À quoi bon? Ah, le mur T1, il est déjà ouvert. Avec la trappe, on est à 2 minutes 30, ils ont déjà tout ouvert. Franchement, en face, gros respect, vous méritez de gagner. Prenez mes points, on mérite rien, nous, on est une squad, vas-y, on est des handicapés. Allez, vas-y, j'en peux plus. Regarde, ça met des grimes et tout, mais oh les gars, c'est un truc de zinzin. Comment les gens sont trop forts. Capcan et Valkyrie, je sais pas ce que vous faites, les gars, c'est en train de push le T1. Y'a Glace qui va taper un push, les mecs, attention, hein. Ça pose. Un C4, go. Putain. Voilà, là les gars, c'est ce qu'on appelle être en plein tilt. C'est-à-dire que vraiment, je crois que mon cerveau il est touché et je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je pense que malheureusement, il y a plus rien à faire. Mis à part gagner. Moi, si on perd, j'arrête, hein, je vous le dis, c'est fini. Finito. Et je pense que je vais remanier le concept, je sais pas ce que je vais faire, mais il faut que je fasse quelque chose. Chaque épisode se suive et se ressemble et à un moment donné, bah, faut arrêter quoi. Regarde, c'est bon, cassez-les les drones. Je me prends des grenades par en dessous, c'est incroyable. Des putains de Thanos en face. Allez, oh, je suis choqué les gars, c'est moi qui ai de mauvaise foi ou non? C'est pas moi. Commence à nous casser les glaouis avec ces gridlocks celle-là. La fenêtre les gars, attention à la fenêtre. Eh oui, fenêtre, jamais camper devant une fenêtre les gars, c'est logique, toujours un mec qui attend, logique. C'est comme si tu fais l'amour à une prostituée sans capote, tu ressors avec le VIH, c'est sûr, c'est logique. Couloir. Ah, il est rentré devant moi ce malade mental. Ce zgeg humain. Je le vois pas. La tête de moi que je n'ai pas vu, les gars. Je ne l'ai clairement pas vu avec mon viseur sur le teco à gauche. Il est passé dans l'angle mort que je pouvais pas voir. Voilà, GG, les gars. 3v1, vous pouvez pas le perdre. Hein. Si vous perdez ça, franchement, là, c'est. Pas les mots. Mais là, je vous fais clairement confiance. Vous avez tous des bonnes lignes, en vrai.
En vrai, peut-être qu'elle aurait dû prendre Gridlock. On va dire que c'est sa putain de grosse graisse qui a absorbé les balles. Elle est à droite. Tourne la caméra à droite. Bien joué, gros. Mais tourne la caméra quand elle est à droite. Au moins, on peut jouer au son parce que si tu tournes à gauche, on l'entend pas. Ah, bien joué, monsieur Mozy. En vrai, il a géré là. De toute façon, sur R6, quand vous êtes entre guillemets en plein tilt, c'est là où généralement bah, vous n'êtes plus performant. Et en soi, je pense que c'est ce qui m'arrive. Faut vraiment gagner cette game, les gars, pour repartir sur de bonnes bases. Et je vous mens pas que là, ça commence un peu à me taper sur le crâne. Je suis en train de perdre la confiance que j'avais. Et quand sur R6, on n'est pas en confiance. Vous savez qu'on fait généralement de la merde. Elle est pas morte là, Nock, les gars? T'as la dinguerie quand même, hein. La dinguerie, j'ai le canon allongé sur Warden. C'est un truc de malade. Le T1, il a été ouvert, les gars, attention. Et si j'ai pris Warden, c'est parce qu'ils prennent du glace en face. Croyez pas que je suis un plou, je vais juste Warden. Pour le viseur 1.5, c'est pas le cas. Attention, Capcan, y a Nock au-dessus. Cours pas comme un singe, frère. Et d'élimination, bien joué, gros. Bien. Il a tué avec son piège. Oh putain, merci les abonnés là. Merci, franchement, merci. Ah, je vous jure, j'en demande. Pas beaucoup les gars. Sense couloir, attention. Il y en a un au mur T1 et Sense il est au couloir. Ne pas piquer le garage les gars. Ne pas piquer. Attends qu'il plante, on met un C4. L'autre il est dans la petite pièce au fond là-bas en face de moi là. Voilà ici. Il reste 15 secondes les gars, on est très bien. Voilà, bien joué les mecs. En vrai, désolé si dans la vidéo, je sais pas comment j'ai été. Je le verrai au montage, hein, facilement que j'ai été horrible. Mais désolé de pester comme ça, mais c'est réellement que j'ai envie d'être champion les gars. C'est le truc, vraiment, ça fait depuis quelques saisons qu'on arrive à l'avoir en solo. Et c'est une performance de baiser les mecs. Tu sais, j'ai pas d'infos, j'ai pas de call, j'ai rien. Je carré toutes les games et tout, et enfin pas celle-là en tout cas. Mais la plupart des games bien sûr. Il y a du Capcan les gars, rushez pas comme des orangs-outans, attention. Attends, bug, je te drone mon vieux, attends. Attention, parce que tu vas forcément avoir un mec. Oh oui, tu en as un là. T'en as un sur le bureau que je vais aller un petit peu chatouiller par en dessous. Ah, dommage les gars. Ouais, il est juste là, attention. Je vais essayer de le faire bouger, il va être pour vous les ploucs. Attention, c'est parti. Non, 3v5 les gars, le Capcan. On est trop ici, vas-y, partout où je vais. Vas-y, je peux pas jouer mon jeu. La fenêtre ici, elle va m'être fatale, je vais me prendre un C4, je le sens. Faut se débarrasser du Fenrir, c'est le principal poison là de la squad, enfin de la squad d'en face plutôt. Vas-y, je vous mets un ping rouge les gars, faut niquer sa mère. Mets-lui une grenade, y'en a. Voilà, bien joué les gars, c'est parti. Allez, on progresse. 3v4, on peut le faire. Ah, 2v4, on peut-être moins le faire. Ça va être à moi de jouer en vrai. Mais je suis éteint, j'ai aucune confiance les gars. Non, 1v4, non, laisse tomber. Je suis éteint. À gauche et à droite, les gars. Il me faut le diffuse, go. Ah, je peux rien faire. Tu veux que je fasse quoi en 1v4 encore? Je vous en supplie qu'on la gagne, hein, cette game. Je vous en conjure, les gars. Là, ça devient vraiment catastrophique. C'est critique ce qui se passe. J'ai jamais fait ça de ma vie, je crois, sur R6. Une telle série de défaites d'affilée comme ça. Alors que je mérite. En soi, si on perd, c'est qu'on mérite de perdre. Je sais pas, j'ai l'impression que je mérite pas de perdre. Ils vont attaquer le. Je sais pas comment ça s'appelle ici. Là, j'ai l'open kill. Bien, mon gars. C'est bien propre. Allez, on va essayer de mettre un peu de cœur à l'ouvrage. On est 4v5, on n'a pas à piquer, on a juste à attendre qu'ils viennent à nous les gars, ils sont en infériorité. En plus le petit mur ici il a pas été open, c'est bien, on peut temporiser comme il faut. Ok, Gridlock on sait qu'elle est à l'entrée du site, mais il y a un castle tu vois qui va l'empêcher de rusher. Attention Mozy, le mur. Ça va être un petit peu plus compliqué étant donné qu'il va avoir des infos sur nous les gars. Oh putain. Ils se prennent tous mes gus, ils ont pris 3 gus les gars. Je vais essayer de faire un bac de l'extrême, ça peut se tenter. Il faut y aller comme un bot, il faut y aller doucement. Il y a des gridlocks, c'est pas grave les gars. Si on peut gratter un kill ou deux, c'est l'essentiel. Ça a posé, comment ça peut poser? Sans déconner, comment ça peut poser? Vas-y Mozy. Tente Mozy. Vas-y Mozy, allez Mozy. Non Mozy, il est mort. Non, il est mort sur la dernière seconde. Mais j'en ai marre. Ah, j'en peux plus, regarde son shoot. J'en peux plus. Putain, je fais tout bien, je tue le mec. Une demi-seconde, même pas. J'en peux plus. C'est honteux, c'est cataclysmique. J'ai envie. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais je. Les gars, j'étais à une game du Diamant 5. Regardez ça. Allez, je dois être sadomaso, je relance, les gars. Waouh, les cartes, ça donne vraiment envie d'arrêter de jouer, les gars, mais vraiment. Ça va être café. Café là, voilà, c'était sûr. Tout ce que j'aime, merci, c'est ironique, hein, bien sûr. Waouh, quelle vidéo, les gars, quelle vidéo! Si vous avez des conseils vraiment en commentaire, je suis preneur les gars, parce que là je ne sais plus quoi faire. C'est une situation très très complexe et critique. Et je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Oh, ça rush avec un Maru, c'est oh, la dinguerie les gars. Vas-y, tu mets un frost hein, si tu veux ici mon gars, tu peux mettre un frost si tu as envie. En vrai de vrai, comme ça quand ils rush, bah ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est une bonne idée, j'aime bien. Vas-y, tu peux le mettre si tu veux. C'est rentré, rappel quelque part, c'est rentré au rappel, je crois piano. Ça drone. Est-ce que faire un bac peut être une bonne idée? Oui, je pense. Parce que ça va taper des pâches avec la ying, les gars. Alors attention! Bien joué, les gars. 4v3, c'est bien. Là, vous gérez. À gauche! Oh, il m'a volé mon kill, Capcan. Je suis dégoûté. Ça prend encore un Capcan, ok. Cigare, sledge, les gars. Bien joué. Là, j'ai l'impression que vous. Bah, je sais pas, que vous maîtrisez. Bien joué, Dino. Bien, ma gueule.
Il a géré le poteau. Là, putain, j'ai posé mes 3 frosts, les gars, 2 minutes 50, faut renforcer ce mur. Pourquoi on a plus de mur là? On peut plus renforcer, tu vas me dire. Mais les murs, les gars, vous les avez mis dans votre cul, vous avez fait quoi? On va se faire dégommer ici. Vas-y, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je sois champion? C'est mort. On a même pas renforcé la trappe, mais les murs, sans déconner, ils sont partis où les murs là? En face, ça fait des strats, les gars. Mira, Mutz. Franchement, c'est la Ligue des Champions. Pourquoi on fait pas ça, nous? Pourquoi en face, on tombe sur des Thanos? Je comprends pas. Là, je suis à deux doigts d'arrêter de jouer, vraiment. Ça m'a complètement dégoûté, en fait. J'ai jamais été autant dégoûté de R6, les mecs, mais vraiment. Il y a un mec, petite pièce, c'est le Mutz. J'ai réussi à passer. Il y a un mec sous la trappe aussi. Oh là là, mais faut le dégommer, lui, hein. Ah, lui, il est bête. Lui, il est vraiment bête, les gars. Yana, là-dedans, travers, Yana. Vas-y, c'est simple. Tu le travers, tu le baises. Il est coincé. C4, tu vas mourir. Ah ouais, c'était un kill simple. Y'a pas plus simple. Je lui mets des pings rouges, machin, juste à travers. C'est simple, à travers. De toute façon, on a perdu la manche. On a encore perdu le diffuseur, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je peux faire quoi, moi, en soi? Oh, attends, il y avait un gars, là. Je suis pas fou. Ah ouais, c'est Nox. Les deux sont au même endroit, là? Les gars, vous allez vous ramasser un C4 des familles, vous allez rien comprendre. J'ai pas l'info, moi j'entends des bruits, je sais pas exactement où c'est, en vrai. Hein. Oh, ils ont posé! What the fuck? Comment ils ont fait? Comment ils ont réussi à poser, les gars? C'est quoi, cette sorcellerie? Bien joué, les gars, allez! Vous le voyez que je donne tout, les gars. Je donne tout ce que je peux donner. Mais il faut aussi que vous gardiez en tête que je suis pas le meilleur joueur de la play, loin de là. Je suis naze, comparé aux champions vraiment qui se lavent jamais. Moi, je suis un petit gars qui joue dans mon coin tranquille. Mais là, j'ai l'impression que tes games sont très très durs. Vas-y, Nock, parfait ça. Comme ça, tu me fais gagner un H. Moi, j'aime bien mettre mes lance-grenades de H, les gars, dans les portes et rusher d'un coup. C'est un truc que j'aime bien faire. Oh, y avait un gars en dessous, j'ai pas pu le pinguer. En vrai, attends, s'il est en dessous, gros, moi, je peux aller en bas et lui mettre un coup de H dans les fesses. Ah non, il a bougé, il m'a vu, forcément. Allez, on va casser ça. Celui-là aussi, en vrai, on n'est pas trop mal, je crois. Ah, d'accord, vous avez vu, les gars. Et vous allez me dire que ça, c'est normal sur R6. Tout à fait logique, les gars. Ah, c'est vraiment une dinguerie, c'est une très très grosse dinguerie ce qui vient de se passer. Moi là, j'ai plus les épaules pour taper des push, les gars, je suis vraiment trop fatigué, je crois. Escablan, il y en a un au-dessus. Ok, mort. Allez, les gars, plantez-moi ce diffuseur. C'est un smoke, on sent pas les couilles du smoke. On a deux Mira. Oh, on est bien, les gars, on a deux Mira, bien ça. Non, pourquoi tu moves ça? Mais pourquoi? Attends, heureusement qu'il est tombé, gros. Ah, de toute façon, moi, je suis en point de cycle, en vrai, de vrai. Peut-être que j'abuse de rager, j'en sais rien, mais vas-y, ça... Je sais pas. En vrai, je me remets en question, facilement, que c'est moi le problème et que je rage pour rien, les gars, j'en sais rien. Mais à mon humble avis, c'est pas normal de me casser le Mira, quoi. J'ai un double Mira pour avoir l'info sur le smoke. Faut me le laisser. Mais là, ça m'énerve, j'ai plus la capacité de rusher comme je le faisais en début de... Y'a un mec là, les gars. La tête de moi, y'a un mec juste ici, travers le mur blanc. Yana, t'as juste à travers le mur blanc. Putain. Ah, j'ai plus la force, les gars, de me battre, là, je crois. Je suis en train de capituler. Ok, lésion au niveau du site au ping, les gars. Dans le petit sas, est-ce qu'on a quelqu'un qui va s'y cacher? Oui, Jaeger. Allez, on a la force sur lui, c'est bien. Est-ce que quelqu'un peut le traverser? Non, mais c'est pas grave. En soi, on est 4v3. Smoke, il est au niveau des scablans. Jaeger, il a bougé. C'est ça, en fait, sur R6, les gars. La clé de la réussite, c'est droner tout le temps, droner encore et encore. Ils sont tous sur site. En vrai, lui, faut le traverser par en dessous si on a une grenade. Jaeger, toujours dans l'espèce de petit sas blanc. C'est important de le savoir. Là, c'est fermé. Donc, en soi, tu drops, tu le baises, le lésion, en vrai. Mais faut lui mettre une grenade par en dessous, les gars. Moi, je pourrais rien faire comme ça. J'ai encore un drone, je crois. Ouais, il est là. Y'en a qui drone, ok, on y va. Smoke, il est là, mon pote. On faut le prendre à deux, lui. Hein. C'est un malade mental, lui. Jaeger, toujours là-dedans, les mecs. Toujours. Il y a lésion. Lui, faut sauter le baiser. J'y vais. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Allez, encore à lésion. Putain de merde. Allez, Jaeger, il est petit sas. Putain, je lui mets le préfire. Champion de merde, va ça le putain de mes couilles. Je lui mets le préfire. Je l'ai en premier. Regarde, on le voit même pas sur la caméra. On le voit pas où je suis. On le voit pas, ma tête. On la voit pas. Regarde, on le voit même pas sur la caméra. Putain, on est encore en prolongation. J'ai l'impression qu'on passe toute notre vie en prolongue, les gars. Mais véridique, j'avais le préfire sur Jaeger. Il m'a mis une tête, je sais pas comment. Ouais, c'est bien, mon gars. C'est un bon frost, ça. C'est une bonne astuce de faire ça, les gars. Bien. Pourquoi on est 5v5 alors que l'abonné, il a fait un kill? C'est quoi ce délire encore, là, ce jeu? Bugué là, au cul, là. Y'a Buck qui fait des trous en dessous, les gars. Il est dans l'espèce de petite bibliothèque. Y'a Gridlock. Gridlock rappelle, les mecs. Non, putain. Encore une fois, 5v3. On se retrouve 3v3. Mais je vais péter un câble. C'est compliqué de rester comme ça et d'attendre. Non, vous préférez courir. Normal que vous mouriez. À un moment donné, il faut dire les termes aussi, hein. Regarde, moi je suis droné. Je joue safe et je l'attends là maintenant. Je sais pas si j'ai une bonne position en vrai. J'en ai pas l'impression. Du coup, je remonte. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Petit Wamai parce qu'ils vont forcément me jeter une flash pour me niquer. Ok, grosse tête, allez les gars. Allez, il y avait une caméra. Mettez des pings avec les caméras, les gars. Ça pose. Non, fake plant. Au back. Je sais pas où elle est. Le gridlock, elle fait trop de bruit. Elle a posé où?
Allez, allez! Ah, sans déconner, ce qu'il faut pas faire. Franchement, moi, ça me fatigue, les gars. 5v3, on se retrouve 3v3. C'est pas normal! C'est pas normal! Faut dire les termes! C'est pas normal! Regarde, ils sont en cuisine, les gars. Placez des drones au lieu de les envoyer au casse-pipe. Je sais pas, soyez normaux. Faites des moves normaux. Moi, je vous apprends un peu à jouer, hein. À mon faible niveau, je vous apprends quand même, je pense, 2-3 trucs, mais vous les mettez pas en application. Là, d'avoir un drone, regardez, comme ça, c'est incroyable. Et surtout, vous mettez pas de ping rouge et vous avez des infos qui peuvent être cruciales. C'est tout, les gars. Faut jouer simple. Je vous le répète tout le temps, mais j'ai l'impression que je vous le dise ou non. Bah, vous en battez les couilles. Bah, écoutez, battez-vous-en les gars, oui. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Perdons ensemble. Allons-y, dans la joie et la bonne humeur. Regarde, là, tu sais qu'il y a le Warden. Tu mets un petit ping jaune pour l'allier. En plus, il a un skin, on dirait Shrek, les gars. Là, il pique, les gars. Au moins, le T1, il a été ouvert, mais on a perdu le diffuse dans une zone encore de dégueulasse. Warden, il est encore dedans, je crois. Hein. Allez, 3v5, comme d'habitude, j'en peux plus. C'est cataclysmique. Eh là, c'est pas une tête que je lui mets, ce fils de... Ok, l'autre, il est en train de me tenter le poteau avec son casque, enfin sa tête de Mexicain, là. Mais ta tête, c'est un one-tap. Là, t'es mort, gros. Je le vois pas. Vous avez vu? Sur la tête de ma mère, j'ai mon viseur. Comment il peut me tuer? Parce que regardez, la hitbox, il y a un truc qui dépasse. Il y a un truc qui dépasse de ma tête, un petit chapeau. La tête de ma mère, ah, je sais pas ce qu'elle a comme skin. Je vais mettre un skin de merde, je vais enlever ce qu'elle a sur la tête, cette de hache. Encore 4-4 en manche décisive. Vous pensez vraiment qu'on va la gagner, la game? Ouais, vas-y. Si vous avez cru, la vie, c'est les bisounours. Bien évidemment qu'on va perdre. On perd toutes nos games. Je sais même pas si j'ai gagné une game dans la vidéo. Je crois que j'en ai gagné qu'une. Ça prend des tornes. Au back. Bien joué, l'open kill, torn. Ça fait les murs, hein. Les murs, jeux sont faits. Ils ont pas cassé la cam défaut. C'est bon, ils viennent de la faire. Le petit bouclier qui peut carry, en vrai. Hein. Il peut carry ce bouclier. Ah, oh, il vient de casser mon bouclier. Le fumier de merde. Je savais même pas qu'on pouvait mettre un eye sur un bouclier. Il m'a appris un truc. Je suis repéré, je suis mort, je suis un homme mort. J'ai les mains qui transpirent, attends, faut que je les essuie. Tenez bon sur site, les gars, tenez bon, allez, s'il vous plaît. Je vous demande pas la lune, un kill, un seul. Bon, y'a un mec escalier qui va descendre pour moi, il y en a un derrière moi aussi. Ça a posé, allez, vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles, allez, c'est pas possible. Contact à droite, s'il y en a un là, faut que je le tue, allez. Oui, allez, 4v1, allez, allez, les gars, on s'aligne pas tous, s'il vous plaît. On est intelligent, allez, un qui diffuse, va diffuse, go. Diffuse, allez, putain. Oui. Allez, moi j'arrête de jouer, j'en peux plus. C'est fini. Je peux plus jouer dans ces conditions, je gagne que 28 points. Je serai jamais champion, impossible que je sois champion. Avec toutes les games qu'on a perdu, je finis en 15-20 kills. Allez, qu'est-ce que vous voulez voir de plus? C'est fini, la route du champion elle est terminée, les gars. À jamais.